spécial avec 8 jours d'enseignement, 8 jours de louange, 8 jours de miracles, 8 jours de signes et de prodiges, 8 jours d'impact et de 8 jours de célébration. Durant ce moment, nous recevrons des orateurs de Paris qui viendront nous aider à entretenir le feu du Saint-Esprit en nous pour entrer en possession de notre héritage. Il n'y a aucun héritage qui vous sera présenté sur un plat d'or, ça n'existait pas, un plateau d'or, ça n'existait pas. L'exemple le plus criant est Israël lui-même. Dieu leur donne le pays de la promesse, Dieu leur donne le pays où le lait et le miel, le pays des Canaan. Cela veut dire simplement qu'il y a un prix à payer pour conquérir son héritage. Et nous devons être armés de courage. Nous devons, à l'exemple de Jésus-Christ, être de ceux qui ne se découragent pas, de ceux qui n'abandonnent jamais, de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin pour posséder leur héritage. Notre défi, en tant que chrétien, en tant que citoyen du ciel, en tant que fils du royaume, en tant que prince et princesse, en tant qu'église, en tant que corps de Christ, est de maintenir ce feu. Voilà pourquoi depuis 2006, nous avons le frappon de cet événement. Nous avons besoin de sa présence parce que c'est lui qui nous guide. Il a dit, je te guiderai, je te montrerai. Donc c'est notre guide. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, nous ne marcherons pas, donc nous ne ferons pas un seul pas, parce que il ne savait pas comment pouvoir faire avec ce peuple. Il était qui? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos sons et vos blagues. Il envoyera. Il dit ceci, tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas dans ta vie, bien-aimé, tu vas avoir une joie préfabriquée. Paul s'est dit non, le feu ne s'éteindra point. C'est alors qu'il est allé lui aussi chercher des broussailles qu'il a ajoutées dans le feu. Le deuxième élément, c'est l'abandon, c'est disposer. Le troisième élément, c'est la repentance. Et je dis Seigneur, I repent. Je me repens. Forgive me. But we have forgotten. Mais nous avons oublié. How to repent? Comment se repentir? Because we don't know how to do covenant anymore. Parce qu'on ne sait plus comment faire l'alliance. Comment? L'événement est oublié. Le feu, symbole du Saint-Esprit, est purification, lumière et examen profond de nous-mêmes. Ce feu, la foi et la consécration à Dieu doivent rester actifs. La présence de Dieu, elle est nécessaire parce que c'est la source de notre force. Si nous prions, c'est vrai que pour certains, ils trouvent que certains prient beaucoup et tout ça, mais nous prions parce que nous savons que c'est la source de notre force, c'est dans sa présence. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et nous avons besoin continuellement de son aide. Et nous avons besoin de la présence de Dieu. Parce que c'est notre protection. What you declare, that is what you have. So though my life is a dry bone situation, there is no hope. But I'm not speaking as if there is no hope. I'm speaking life to my condition. But I think the power has come that we begin to address our situation with the word of God. The good of this. Le bon jour. The Lord. Le Seigneur. Is about to restore. Va restaurer. He's getting you back to your condition. Le bon jour. La situation originale. Où que tu es. It's not where you need to be. C'est pas où que tu dois. There is a dislocation. Il y a une dislocation. By the Spirit of the Lord. Ce feu. Importe. Ces éléments. Les situations. Les sentiments. Les émotions. Le mauvais temps. Peu importe, je répète, que ce feu doit rester allumé, peu importe les temps, les circonstances, les événements, amen. Les émotions, amen. Les épreuves, amen. Le feu du Saint-Esprit doit rester allumé dans ta vie. Et ça, c'est que the way the fire does not go out is because this is your jubilee. In Israel, this year, this is powerful, don't miss this.
In Israel, this is the year of the actual Jubilee. In the Bible, Jubilee means 50. In the Old Testament, Israel had years of cycles. 7 years, a cycle of 7 years was called a cycle of Shemitah. 6 years they worked the land, 1 year the land rested. At the conclusion of that 7 years, that whole cycle was called Shemitah. Then the next cycle of 7 years. 6 years worked the land, 1 year let the land rest. 7 years total, a full cycle of Shemitah. There are so many good things that fire does. Fire is used to burn things. When there is fire, there is warmth. There are so many people, they are cold spiritually. But the fire of God is coming to bring warmth unto you. The fire quenches things. We need the fire to destroy things. The fire is burning in your heart. So that is, if somebody comes as a Christian, about the republic, say, yeah, Escamore do to the region of war. Get this one. Escamore do to the region of war. A question is a person, say, they do better of war. A song they do. They do not feel they clap. A same matter. They don't predict your compass. They are Christian and son. They do better of war. C'est que le fait, généralement vous le trouvez parce que des gens avant vous, des générations avant vous l'ont déjà allumé. Mais il incombe à chaque génération, à chaque enfant de Dieu, à chaque communauté chrétienne de pouvoir ajouter ce qui est de leur responsabilité, comme Paul dans l'île de Malte. Lorsqu'il arrive, il trouve un feu allumé. C'était pendant l'hiver et ce feu servait de chauffage. Il a joui de ce feu, mais il se rend compte tout de suite que si on ne continue pas à ajouter, si on n'apporte pas notre apport à nous, le feu risquera de s'éteindre. Paul s'est dit non, le feu ne s'éteindra point. C'est alors qu'il est allé lui aussi chercher des broussailles. Vous voyez quelqu'un comme Daniel qui pouvait se retrouver dans la fosse aux lions. Cette histoire ne serait pas une histoire extraordinaire si Daniel avait été dévoré par les lions. Mais c'est Dieu a voulu être avec lui pour qu'on sache qu'il est capable. Et quelqu'un a dit que Dieu peut vous épargner du feu, tout comme aussi il peut vous laisser aller dans le feu. S'il vous laisse aller dans le feu, c'est qu'il sera avec vous. Donc, je crois que nous devons être très actifs. Have you ever prayed and the heavens felt like they were brass? Est-ce que vous avez déjà prié et puis vous pensez que le ciel était complètement fermé? You couldn't feel anything. Vous ne sentiez rien? You ever prayed and felt that before? Est-ce que vous avez déjà prié de cette façon et puis vous sentiez comme ça? God, where are you? Seigneur, où es-tu? I see people dancing. Je vois les gens en train de danser. And I feel nothing. Et je ne sens rien. I pray. Je prie. And I hear nothing. Et j'entends rien. God! Are you even listening to me? So God said in the book of Joel, I'm going to do 7 things in the year of Jubilee. I'm going to let you, number one, have Shekinah glory of God, the presence of God, the Paracletos that walks with you. I'm going to let you have double portion. I'm going to let you have family blessings, miracles, financial abundance, not financial assistance, financial abundance. I'm going to, number 6, restore families. Number 7 was the one I preached about tonight. God said, I'm going to give you an open heaven. Non, le feu, le monde de foi, ne s'éteindra pas. Non, notre consécration ne s'éteindra pas. Non, notre détermination ne s'éteindra pas. Non, notre obéissance ne s'éteindra pas. Non, 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 talent. No one can stop the fire. The devil cannot stop it. The enemies cannot stop it. You yourself, you can't stop it. The fire will keep on burning. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Le Dieu n'a pas conçu la vie chrétienne pour qu'elle soit vécue seule. Et c'est pour ça qu'il a dit que je bâtirai mon église. C'est vrai que quand nous voyons aujourd'hui les bâtiments, on ne sait plus comprendre, mais en fait Jésus est en train de dire je bâtirai ma communauté. Donc c'est une communauté, c'est ensemble que nous sommes capables de nous maintenir et de permettre à ce que le feu de Dieu ne s'éteigne pas.
déclarons alors ouvertement la 10e édition de notre grande convention internationale. Non, le feu ne s'éteindra pas.